sports. It's in the game. Nouveau week-end de Formule 1. On s'attaque au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Attention, c'est pas facile. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les petites qualifs. Faire beau. Toujours à la limite hein, dans ce virage. Là, ici, ça risque de taper vraiment le Grand Prix. Hein. Est-ce que je vais me faire rattraper parce que j'ai privilégié l'aérodynamisme dans les cours. Par contre, en vitesse maximum. Je pourrais peiner, mais je suis bizarre sorti du virage, ce sera une très beau tour, bien joué. Pas commis d'erreur, hein, mais on voit qu'à certains moments, sorti de chicane ou de virage, je suis à un millimètre du bord. Hein, donc ça pendant le Grand Prix, ça risque de nous coûter la course si ça touche. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Hamilton, Verstappen et Sergio Pérez. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Il va faire beau. Et c'est reparti pour un week-end de Formule 1. Qui sortira vainqueur de la bataille de Bakou? Nous allons bientôt le savoir. Bienvenue au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Pérez, Bottas, Lando Norris et Leclerc, Ricciardo, Gasly, Sainz et Fernando Alonso, Tsunoda, Vettel, Esteban Ocon,
et Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell et Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Côté réglage, qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, déjà niveau carburant, on peut réduire, on sait qu'on est plutôt économe. Et niveau pneus, fort du traumatisme d'il y a quelques grands prix. Est-ce que je la jouerai pas en dur? Supprimer le dernier relais. J'ai envie de la tenter comme ça. Ah, comment il me... Il s'est rabattu de mon côté, hein, cet enfoiré. Alors tous ces virages sont dangereux, hein, surtout quand les pneus vont commencer à être usés. Il y aura un risque de collision dans le mur à chaque fois, donc c'est une des grosses difficultés de ce Grand Prix. Ajouter à cela la stratégie que je vais employer, qui est de tenter qu'un seul arrêt. Forcément, quand on est premier, c'est plus facile. On a tendance un peu à faire freiner nos adversaires dans certaines parties du circuit. C'est pour ça qu'ils sont derrière, mais petit à petit, ça va revenir. Celui-là peut être mortel. Hein. Si on arrive. Là, c'est même pas un peu vite, faut vraiment. Pas arriver vite, sinon. C'est la casse. Là aussi. Manière un peu particulière. Je ne prends pas forcément bien d'ailleurs les 100 revenus, mais je préfère ça que de. Taper l'accident. Et Perez,
est revenu très fortement. On était à 2 secondes à un moment donné. On va le laisser dépasser. On va gérer au freinage. DRS activé, ça devrait l'aider également. J'ai pas vu Verstappen. J'ai eu un souci en premier tour, ça arrive souvent. Hein. Comme il est dans ma roue, sur certains freinages, son aileron avant succombe bien souvent. Ça sert à rien non plus que j'accélère comme un gueudin parce que niveau carburant on a mis juste ce qu'il faut, mais normalement il n'y a pas de souci en décélérant dans certaines zones ce qu'on fait assez naturellement pour préserver les pneus. Le carburant passera de peu, mais ça passera. J'ai vu, j'étais dans le vert. L'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Mais disons qu'il était revenu sur moi et là j'ai de nouveau repris l'avantage. Par contre, attention à partir du 5e tour jusqu'au changement de pneu, il faudra que je sois particulièrement vigilant. Si j'ai tendance à arriver un peu vite, ce qui fait que je ressors mal parce que j'ai besoin de freiner. Et eux par contre le prennent excessivement bien. Là j'étais bien, mais ça joue à pas grand chose. Hein. Le mur on le voit très très près. Là, celui-là, pour vraiment bien le prendre, c'est hyper risqué, quoi. On tourne face à un mur qui nous fait quasiment face, à droite. Et si la voiture survire, eh ben, on prend tape le mur. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. De manière super, super violente à cette vitesse. Alors Verstappen nous fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il a eu un accident, il est derrière, par contre comme il est tout seul, personne ne le gêne, et bien il tape lui en retour. Par contre il vaut mieux pas que je tarde à faire mon changement quand je le fais. Alors faut pas forcément que je le fasse en premier, mais sur la seconde série de pilotes qui fait leur changement, l'idéal c'est de sortir à ce moment-là parce que si je tarde trop, souvent j'ai tendance à moins bien tourner parce que j'ai. En termes de rythme, je me cale quand même un petit peu sur ce qu'il y a derrière moi. Ça m'aide. Alors si je suis en avant, si je suis en retard, si je roule bien ou mal.
Et souvent à la sortie des stands, en fait, là, j'ai perdu quelques secondes et je sors pas forcément devant. Or, la stratégie, c'est de pas avoir trop à doubler parce que c'est compliqué. Il vaut mieux être plutôt devant à la sortie des stands. Là, je suis à 2 secondes, je suis bien. Ah, là j'ai été moins agressif tout de suite, le mur à gauche on le voit prêt à le prendre. Il reste toujours en embuscade, hein, il se maintient près à 2 secondes. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Encore une fois, on est dans un circuit où les infos courses, on peut les faire dans certaines lignes droites, mais je préfère rester concentré sur chaque courbe. De s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Bon, bah tant mieux. Enfin, 4 secondes, là, on est plutôt bien. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils se sont livrés bataille et que. Ouais, je pense que ça doit être ça. Plus que bien même. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Où est ce stand? Donc ça veut dire qu'il faut que je. Il est entré dans les stands. Il est dans les stands. Faut que je change. À ce moment-là, attention ce grand sur ce circuit, il y a une chicane. Alors moi qui aime bien arriver comme un fou furieux et me laisser rentrer dans les stands en automatique, il y a quand même une chicane à gérer. Alors est-ce que je refais pas un tour? Parce que là il va y avoir des gens qui vont s'arrêter, et vu que j'ai un peu d'avance, j'ai peur lors de la sortie d'être gêné. Ouais. Peut-être faire un tour. Faut juste que je le chie pas en fait. Ah, on est passé devant la chicane. Là où c'est dangereux, c'est que les pneus tendent commencent à faire la gueule. Gueule sévère, tout le monde est au stand.
Alors la question c'est est-ce que Vettel est... a fait son arrêt ou pas? Clairement Bottas est passé devant Perez. On va être fixé. C'est parti. Fonce, fonce. On sait bien là sur la droite, c'est en train d'arriver. Ah, Vettel a fait son arrêt, s'en est bien sorti. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Je surveille aussi ce qui se passe derrière. Je suis à moins d'une seconde, je vais pouvoir profiter du DRS. Ah ouais d'accord, ok. Je voulais profiter de l'aspiration aussi, mais non, c'est que... Il n'avait pas fait son arrêt, je comprends mieux. Parce qu'on va dire, là, je peux calmer le jeu, parce que... Je suis devant mes amis. Et logiquement, eux vont s'arrêter de nouveau. J'ai l'impression que Verstappen est largement remonté. Il est en milieu de peloton, plus un petit point bleu. Niveau carburant, on est juste ce qu'il faut. Voilà, il y a Bottas qui arrive décidé plus que jamais. Essayer d'éviter une collision avec notre ami et il est très très près. Et puis le groupe Thérèse Norris le suit très près.
La lutte risque d'être éprouvante. Ce serait bien, c'est que j'arrive à reprendre un petit peu d'avance pour être en dehors des 1 seconde qui ne profite pas du DRS. Et puis que je sois aussi plus serein, que je les sente pas dans mon dos à chaque fois. Surtout comme c'est des virages où il faut freiner fort, en fait, à chaque fois on a l'impression qu'ils sont très proches. C'est parce qu'on freine tous très fort à des endroits très. Restreint, donc forcément en termes de distance on est à touche-touche, même si dès que ça accélère on se rééloigne énormément. Ça peut être violent là. Allez, ça me fait peur. Bottas va passer, après c'est la SMA là qui me coupe pas trop la route. Putain, ce con, il freine devant moi. On est passé derrière, reste concentré. Ah ouais. Repasser devant. Toujours peur qu'il m'accroche, mais il y a tellement d'accidents, même des fois en ligne droite, que puis comment il me serre, mais c'est un truc de malade. Tant pis. Freiner devant, sous le nez là. Allez, vas-y, enferme-moi. J'ai l'impression qu'ils conduisent pire que moi. Là. Pérez qui profite de la lutte. Voilà. Je sens que ça s'est un peu touché. Là, j'ai un peu moins la pression, là. Ils sont derrière, ils sont chamaillés. Ils sont un peu dans la même situation que avant l'arrêt au stand.
Ah, les épines en course. Attention, attention. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Retour à la normale. Les épines. J'arrive un peu vite. L'écart est assez réduit, assez normal. Après moins de risques. J'ai pas les mêmes pneus que. Hein. Allez, allez vite là. Pris des risques inutiles hein. Sur celui-là, là, je l'ai attaqué un peu fort. T'es pas franchement malin. L'écart va encore s'amoindrir là. Ça se relie de bataille. Tant mieux. Ils étaient en train de revenir. Le fait qu'ils se tapent dessus, entre guillemets, me va bien. Putain, je le vois, je prends mal les virages, les attaques des freins un peu trop tôt. On va leur profiter sur ce tour. Seconde 5. Ah, c'est Perez qui est sorti vainqueur. J'espère que Bottas. Ouais, 3 secondes 7. Ouais, j'ai peur que la Red Bull va avoir le champ libre pour venir me.
de titiller. Non, c'est bon. Il va revenir moins d'une seconde à l'approche du premier virage. Absolument que Bottas et Norris reviennent coéquipiers au stand. Ah, ça serait déjà le. Alors, il a peut-être eu un incident, hein, puisque le dernier changement de pneu. Ah, Leclerc, quoi que non, c'est peut-être. Donc ça veut dire que je pourrais peut-être voir Pérez et Norris disparaître. Ce sera pas nommé, normalement ça va me donner 15 secondes, 15-20 secondes d'avance pour terminer ce Grand Prix. Je me fais peur. On est bon. Les pneus, ça tient de pas le coup. Vettel à 18 secondes, bah c'est normal, hein. Lui est devant parce qu'il a changé en dernier. Ça a l'air d'aller dans les stands. Tant mieux, il était une seconde. Bottas à 18 secondes, voilà. J'ai 18 secondes d'avance pour les 8 derniers tours. Il va falloir les gérer. C'était la stratégie, ça s'est pas trop mal passé. Bon, c'est la gestion des pneus. Hein. Gestion des pneus qui va faire le taf. Ah, Pérez ressort devant. Hein. C'est intéressant. Verstappen hein, qui remonte à la 5ème place. D'ailleurs, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Hein. Il y a Pérez qui a 5 secondes, mais tous les autres se suivent. Hein. 18, 19, 19, ils sont même dans la même seconde. Il va se passer des choses entre eux. Bon, Vettel va peut-être dégager à cause de son changement de. Peut-être effectuer un autre changement, je ne sais pas où il va aller au bout. Seconde, hein. On voit qu'ils reviennent. J'ai raison, moi mes pneus sont des durs, ils commencent à s'user petit à petit. 15 secondes 9. Pas que je me laisse distraire. Je reste concentré.
Ah, Verstappen. Ah, il va... Forcément, il va dégringoler les 5 premiers. Ça me rassure. Celui qui m'inquiète le plus, c'est Perez. Pas qu'il roule trop bien. Seconde 8. Un second. Je sais plus à combien j'étais, à 16-8, non, en début de... Il est en train de remonter comme une... Une balle de fusil. Info course. Tu es en tête, premier. Perez derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 15,1 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médium. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Par là. C'est bon, là on maintient, on a limité l'hémorragie. Alors peut-être il a voulu attaquer fort pour essayer de quantifier est-ce qu'il serait capable de me remonter. Mon dieu, oh là là. J'aurais pas dû regarder les temps, je me suis... À mon avis, ouais, il va repasser à 14. 14-6. Alors c'est bien, j'ai décéléré, mais j'ai resté un peu tout droit, 13-2. Alors après, ça dépend des tronçons, hein. Forcément, il y a des tronçons où... perd du temps, ou lui revient, 12-9. Les deux McLaren sont au coude à coude. Hein. Chamaillez-vous un peu. C'est pareil, Bottas, il pouvait revenir un peu sur Perez pour le distraire. Ça m'arrangerait. L'écart avec notre coéquipier est de 14,2 secondes. Ah, je peux voir un changement. Ça doit être chez McLaren parce que j'ai. Perez est toujours devant. Ça fait gaffe, de Kid Norris et de Ricciardo étaient... Ah putain, la vache, ils sont rares. Ça doit être rigolo de les voir tous les deux. Ouais, j'ai vu Ricciardo repasser devant, ouais. D'ici qui casse leur voiture. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, 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 ouais, là, gros, gros... Ouais, je vais avoir perdu gros là. Ça a pas tourné. Bon, j'ai peut-être pas aidé dans mon approche, mais. Ah, ça y est, je commence à les voir de moi dans le radar. De toute façon, je savais, hein, là, c'est une stratégie culottée. Ça va jouer sur les nerfs. On reste à peu près 5 tours de carburant. Au niveau carburant, on n'a pas de quoi faire le tour de nous.
Norris est repassé devant. Olé, ça a touché. Ça a touché, mais le pneu, pas le... Secondes. Secondes toujours. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Ah, par contre, ça a dû toucher méchamment. Quoique, non. Ouais, si, c'est un peu vert pomme. Putain, ça c'était pas nécessaire par contre. J'étais en train de faire le couillon avec mes... Six secondes 7. L'air de tourner encore à peu près de manière acceptable. 6-8. Là, c'est limite. Là, je le sens par contre. Nous avons près de 4 tours de carburant. Seconde 9. On les voit rapide, hein. Faut que ça tourne, c'est bon. Secondes. Cinq, neuf. Ça passe. Ouais, on n'a pas un tour, hein, d'avance. Ils me font la gueule, c'est normal. 2. Oh là là, mon dieu. Le problème, c'est que j'ai fait attention à ce qui se passait à droite et ça a touché à gauche. Ah, par contre, le vert est bien jauni. Vert bien jauni, 4 secondes 6. Très difficilement. Ce qui me fait peur en fait, c'est mon positionnement avec les lignes droites en fait. J'ai 3 lignes droites qui m'attendent et je pense qu'ils vont revenir. Ils vont revenir méchamment sur moi.
J'étais obligé de donner un petit coup de frein là. Ça revient très fort derrière. Il me reste deux tours. Ah, il a obligé de donner un coup de frein, sinon ça passe pas. Il nous reste deux tours de carburant. Voici l'écart avec notre coéquipier. 3,6 secondes. C'est ça que j'aurais dû faire les tours d'avant. J'aurais dû les assurer ces virages. Hein. C'est pas les plus impressionnants, mais bon. Pas perdre trop de temps. Il faut les assurer, sinon. Sinon ça tape. Me sauver, c'est leur usure de pneus qui a peut-être commencé à faire effet. Même si ça n'a rien de comparable par rapport à ce que moi je subis. Voilà, c'est encore touché. Je crois que c'était plus le pneu. Allez, voilà. Drapeau vert. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. Je peux plus tourner. Je peux plus tourner. Bon, pour la première place, c'est mort. Mais c'est les deux McLaren qui sont en embuscade là qui me font peur. Putain. Oh, y a plus rien qui... C'est hallucinant comment ça peut déraper en peu de temps. Pierre et moi, ces trucs là avec du rouge partout, là ils veulent me distraire. Mon dieu. Comment je vais faire pour tenir? Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Oh là là, il va me shipper la place juste à la fin, Gasly. Leclerc, non, il restera derrière. Ah là 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 là, cette course. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage, ces petites touchettes à répétition hein, qu'on cassait nos ailerons avant. Et puis bah, après, voilà, c'est...
Sur l'usure des pneus et... est loin d'être de tout repos. Ah, c'est clair. Le danger vous attend à chaque virage. Mais il a réussi aujourd'hui à prendre le dessus pour grimper sur la plus haute marche du podium. En tout cas, la stratégie des pneus était plutôt bonne, je pense. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est plus la fatigue que les pneus qui m'a fait que j'ai touché parce que je... Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout la voiture tenait plutôt bien, c'est moi qui à force sans forcer sur la misère. Ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que les Mercedes ont fait ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Puis bravo aux McLaren qui ne sont pas foutus dans le mur malgré leur combat. Prend la tête du classement des pilotes. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Je dirais Pierre Gasly. La stratégie de l'équipe s'est révélée payante, mais en fin de compte, c'est au pilote de saisir les chances qu'on lui offre. Il s'en est tiré avec les honneurs. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Classement, est-ce que Verstappen, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais merde, on pouvait pas voir est-ce qu'il a eu un... Je pense qu'il a eu un accident, hein, parce qu'il était rentré au stand dans le dernier tiers de course. Allez, avant de se quitter, on va se regarder le petit ralenti. Ralenti du premier tour. On a vu un hein, petit coup ouais, sur la droite et puis ceux qui vont me foncer dessus. Chicane de la mort ici. Et ici aussi, faut se méfier. Les murs, mon Dieu, les murs dans sur ce tracé. Et voilà. EA Sports, it's in the game.